qu'est-ce que tu vas partir, frérot? Je t'explique. Là, je sais pas ce que tu m'as pris, mais tu vas me faire le plein, là, d'entrée. Bonjour. Tu vas me faire direct le plein, là, mais tu es malade, toi, en fait. Je vais en sécurité. Attends, attends, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Je te casse pas de là. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Vas-y, range ton truc. Range ton truc, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu fais? C'est en voiture. Il y a une bande d'écolos de merde qui bloquent les routes. Alors, regardez, je vais vous montrer. Voilà, ils sont là et ils bloquent la route. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Donc, il y a du monde. Il y a des voitures qui veulent passer, les gars. Donc, on est plusieurs là. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Non, personne passe aujourd'hui. Personne passe aujourd'hui. C'est quoi, personne passe? C'est des voitures qui arrivent en face et tout. Non, parce que ben, c'est pas ça. On veut pas que les gens rentrent dans la zone. Mais quoi? Allez, levez-vous. Non, il y a des gens qui attendent. C'est où là? Allez, on peut pas se lever. En plus, je suis passé. Les gens, ils m'ont pété un câble. Non, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Ils veulent pas se décaler. Pour l'écolo, je crois, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, je comprends pas. Ah gars, oui, je vais vous écraser. Moi, j'ai payé mes heures, moi, les gars. Levez-vous, parce que je vais m'énerver. Je vais prendre un taquet. Les gars, moi, je vous ai dit, après, c'est. Là, je comprends pas votre logique, les gars. Je sais pas, ils ont vu ça sur internet. Laissez passer au moins les gens. Laissez passer. Je sais pas. De toute façon, ils sont là pour pas nous laisser passer. Mais je vois pas l'intérêt. Frérot, un conseil, fais pas de conneries parce que j'ai la voiture qui filme et je sais pas s'ils ont pas. J'ai des caméras dessus. Il y a des caméras partout ici. Mais c'est quoi le message qu'on comprenne, quoi? C'est pour l'écologie, genre, je sais pas, ils bloquent. Pourquoi ça va pas sur l'autoroute, mon poteau? Parce qu'on a vu. Pourquoi l'écologie là? Je sais pas, ça les fait rire. Non, mais je sais pas, c'est peut-être une. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, pour les nerfs, levez-vous, les gars. Ça, j'ai jamais vu ça. Hein. En plus, si vous nous expliquez pas, on peut pas comprendre. Vous êtes auto-école? Ouais, je pense que vous perdez plus de temps qu'autre, ils bougeront pas. Ils vont appeler les flics. Il y a que ça à faire. Hein. Ils veulent pas. Ils vont appeler les flics. Moi, par contre, je vous explique, j'ai plus de temps que vous, les gars. Ça veut dire que moi, je vais rester ici jusqu'à longtemps, jusqu'à ce que vous partiez. Parce que moi, j'ai mon temps, en fait. Tout le monde a fait demi-tour, moi, je ferai pas demi-tour. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez partir. Vous bloquez tout le monde, là, depuis tout à l'heure, vous emmerdez tout le monde. Il y avait un camion, là, il y avait un mec en auto-école, ils sont repartis. Est-ce que vous pouvez partir, si vous. Ok, avant que je m'énerve. Allez, levez-vous, les gars. Allez. Moi, j'ai pas le temps. Allez, arrête. Les mains sont collées. Je m'en fous de tes mains. Vous pouvez vous en aller, s'il vous plaît? Vous pouvez partir? Vous pouvez partir, s'il vous plaît, monsieur? Non. Allez, vous voulez que je vous écrase, hein? Les gars, aidez-moi. Putain, c'est un truc de fou. Bon, expliquez-moi votre cause, au moins. Expliquez-moi la cause. C'est quoi le but? La cause, c'est qu'on est dans une zone industrielle et qu'on veut plus que les gens polluent. Les usines, tout ça, on veut plus, on veut bloquer. Mais moi, je pollue pas, je suis électrique. Oui, mais vous allez dans un secteur, peut-être vous travaillez dans cette usine. Non, je travaille pas là, moi. Je passe ici. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous pouvez partir, s'il vous plaît, monsieur. Allez. Bon, alors, tu sais quoi, regarde, on va être clair. Déjà, est-ce que déjà tu traites tes déchets, déjà? Déjà, rien que ça. Quel rapport? Est-ce que tu. C'est là. C'est pour la planète, vous respectez rien de toute façon. Vous respectez rien et s'il n'y a personne qui le fait, personne ne le fera à notre place. Alors c'est comme ça, et maintenant vous faites demi-tour avec votre voiture. Non, je fais pas demi-tour, vous avez que ça à faire, honnêtement, vous avez que ça à faire. Non, les gars. Ouais, on a ça à faire. Vous avez que ça à faire, putain. Ouais, c'est. Vous avez la planète, si personne ne le fait, personne ne le fera. Et s'il faut qu'on reste toute la nuit, on restera toute la nuit, c'est le temps. Mais vous emmerdez tout le monde, les gars. Vous emmerdez tout le monde, les voitures, elles avancent même pas au fond parce qu'elles elles font demi-tour, les voitures, parce qu'elles vous voient. Mais vous pensez aux tortues? Les gars, vous êtes à l'ouest. Hein. Vous êtes à l'ouest. Hein. Vous êtes le genre, vous avez bien la tête du mec qui jette les mégots sur la plage. Voilà. Hein? J'imagine même pas le plastique dans la mer. Et ça, c'est bien les voitures électriques, mais les batteries qu'il y a dedans. Vous imaginez pas ce que ça pollue, c'est encore pire. Non, faut que je comprends. Oh, y a la vérité. Je vous le dis, il y a des gens, ils vont s'énerver. Et là, ils commencent à faire nuit, ça fait une demi-heure qu'on parle ensemble, c'est bon, à la fin, cassez-vous. Cassez-vous. Toi, fais demi-tour. Mais moi, si je pars, je reviens et je vous gaze, les gars. Ça, vous n'avez pas compris. On n'est pas déplacé avec toi, alors s'il te plaît, reste du karaté. Ce qu'il faut pas entendre. Moi, j'arrive pas, hein. Ah ouais. Tu vois, les gens, ils font de. C'est ça qui me rend fou. Les gars, vous pouvez partir, s'il vous plaît? Non. Partez, s'il vous plaît. Non. Vous allez respirer avec quoi? C'est pas votre pognon qui va vous aider à respirer. Quel est le rapport avec ça, les gars? Vous êtes en train de faire quoi? Là, je vous explique un truc. Laisse-moi parler. Ok, allez, je comprends le mouvement écolo et tout. Mais imaginons que là, il y a une urgence, qu'il y a une voiture qui veut passer, qu'il y a un enfant à l'arrière qui est malade, qu'on doit amener à l'hôpital. Comment on fait? On fait quoi? On vous écrase? Si c'est le cas. On s'en fout, ils font demi-tour.
Regardez les gens, les gars, en face. Ils vont passer, les gens. C'est des ambulances qui sont faits exprès. Les gens vont... Ils font demi-tour. Si jamais il y a quoi que ce soit, il existe des pompiers. C'est pas à vous d'amener les gens à l'hôpital. La planète nous appartient. La planète nous appartient. Ils veulent... Je sais pas ce qu'ils font. Ils bloquent la route. Je sais pas à quoi ils jouent. Ouais, désolé, monsieur. J'essaye de les faire partir plus tôt. Ça fait une demi-heure que je suis là. Et encore, vous tombez sur des gens gentils, les gars. Vous tombez sur des gens qui sont sympas. Hein. Ouais, je vais vous filmer, les gars. Demain, c'est déjà un changement. Voilà, j'ai oublié d'une heure. Vous voulez pas partir, les gars? Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous voulez pas partir, vous, quand vous voulez continuer à bloquer la route? Oui. Et toute la nuit, s'il le faut. Ouais, et demain, jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Voilà, et on sera plus encore. Alors restez là, bougez pas, je reviens. La planète ou rien. Ils sont complètement esquintés, les gars, donc c'était pas prévu, hein, je fais cette vidéo, c'est vraiment pas prévu, donc je vais aller chercher un petit truc et je vais les faire dégager. Donc les amis, comme vous avez pu l'apercevoir, bah là je suis allé récupérer le dé, je vais faire signer à la caméra le dé. Voilà, parce que du coup, comme c'était pas prévu, ben, je l'ai récupéré sur le chemin et j'ai décidé de retourner là où il y avait les soi-disant écolos, parce que pour moi, ça c'est pas des vrais écolos, c'est juste des gens qui veulent foutre la merde, se mettre au milieu de la route et vous empêcher de passer quoi qu'il arrive. Pour les faire dégarpir, les gars, je suis allé à feu vert et j'ai acheté ce magnifique extincteur. Donc je vais aller avec l'extincteur, j'espère qu'ils y sont encore. On va y retourner, là il fait complètement nuit, ça fait une heure, mais bon, ils ont dit qu'il restait la nuit, donc on va voir. S'ils sont sur place, je vais leur mettre un petit coup d'extincteur dans la gueule. Pour qu'ils dégarpissent, voilà. Donc j'invite tous les gens à acheter des extincteurs et à les mettre dans la voiture au cas où. Allez, go. Bon les gars, on arrive sur les lieux, ben, ils sont encore là, hein, le dé. Tu peux les filmer. Je vais filmer avec le téléphone, mon gros. Ouais. Et vas-y, on y va, go. Vas-y. Les gars, vous êtes plus que trois. Vous êtes toujours là? Ouais, Maurice, ouais. Ouais, il est revenu, le mec avait la Tesla. Vous voulez pas partir? M'approche pas. Vous voulez pas partir? Non. Vous voulez pas partir? Il y a encore des voitures. Vous voulez pas partir? Viens vite, Maurice, tu peux. Vous voulez pas partir, les gars? Vous êtes sur nous? Ah, ces écologistes à la con, je vais les prendre à coup d'extincteur, au moins on en parle plus. Ça fait une heure qu'ils sont là, qu'ils nous emmerdent. Ouais. Vous voulez pas partir, les gars? Vous êtes sûr? Il y a des voitures de partout, les gars. Vous voulez pas partir? Vous êtes sûr? Un extincteur, je vous laisse 3 secondes. Vous êtes sûr? Ouais, il le fera pas. Ouais, il le fera pas. Vous êtes sûr, les gars? Ouais. Allez-y, monsieur, allez-y, passez. Allez-y, allez-y. Les gars, vous en voulez encore? Mais les gens, ils font demi-tour et tout. Vous en voulez encore, les gars? Hein? Lève-toi, j'appelle la police. Appelle, vas-y. J'appelle la police. Vas-y. 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 Allez, les écolos. Taillez-vous. Voilà. Les amis. C'est réglé, là. Achetez des extincteurs pour les écolos, ça marche bien. C'est répulsif. Voilà. On a libéré le passage. Et en plus, on a fait une vidéo. Arrête. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens juste à passer un message. Moi, j'ai rien contre les écolos de base. Je suis le premier à ne pas jeter les déchets par terre. Je suis le premier à faire attention à mes déchets, à les trier, machin, tout ça. Mais se mettre au milieu de la route et empêcher les gens de passer alors qu'il y en a qui veulent aller à l'hôpital ou qu'il y a des urgences, je trouve que c'est pas trop normal. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un like, mettez votre avis en commentaire. Et nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Ciao, ciao. On appelle ça une faille. Il n'y a plus rien, j'ai vidé sur eux, frère, il n'y a plus rien. Allez, à mercredi prochain, les gars. Ciao.